Quand je pense qu'on dépense des sommes folles au spectacle pour se divertir, alors que là, pour pas un rond, hein. Et encore un spectateur, hein. Vous avez raté tout le début. Ah oui. L'an dernier, on s'est tous retrouvés dans une association de théâtre. Et donc au final, vu qu'on s'entendait très bien, on a voulu monter quelque chose de notre côté, monter une association basée sur l'improvisation. En quelques mots, le festival s'est bien passé. Les gens étaient contents en ressortant des manifestations, donc c'est le but ultime. On a réussi à faire venir plusieurs troupes, donc notamment les Antisèches, ça, avec leur pièce « Quand la Chine téléphonera ». Vraiment bien. La troupe de Jardin, à tour de rôle. On a fait venir aussi un professionnel qui s'est déplacé le samedi après-midi, qui est Jean-Christophe Tomassini. Un magicien. Un magicien. Ouais. Il fait pipi debout. Et on a aussi eu la chance de faire venir notre parrain. Le parrain de notre association se trouvait Damien Laquais. C'est le monsieur qui fait la voix des lapins crétins. Ils m'ont dit pas cap qui nous fassait la lapins crétins. Non, pas cap. Donc ça va. Ce qui veut dire, je suis super content d'être là et je vous souhaite un bon spectacle. Les bénéfices des manifestations sont reversés à des associations caritatives, comme par exemple Princesse Léana. On est aussi venu en aide à l'association Tous Ensemble. Tous Ensemble pour Lucas. Tous Ensemble pour Lucas. On a voulu faire en sorte que ce soit un moment de partage et qu'on prenne plaisir à rendre service à ces personnes-là. Amitié, rire et générosité.